Minens verdedigde. De keeper kwam er slecht vanaf. Hij werd hard op zijn hoofd geraakt en liep een schedelbasisfractuur op. Bonsoir, et on va commencer par de l'original. Tous les soirs, dans tout le sport, on vous parle et on vous montre les bateaux du Vendée Globe, l'une des dernières grandes aventures modernes, des classements, des chiffres, le vent, la mer, mais on a envie d'en savoir plus. Comment vivent les navigateurs à bord? Comment ils réagissent dans la tempête ou dans le calme plat? Alors réponse ce soir, en images, car ils ont eu la bonne idée d'embarquer des caméras et on vient de récupérer ces reportages vraiment étonnants. Ah ouais, ça marche comme ça. Bon, alors voilà, ça fait, c'est le deuxième jour qu'on est parti. Hein. Alors hier, c'était la guerre, et aujourd'hui, c'est l'OTAN. Ça fait du bien parce que, premier jour de course, 44-45 ou près, c'était un peu pénible, j'étais même malade. L'important pour moi, c'est de pas me prendre la tête, et de continuer à faire ma course, faire mon globe. Comme tout le monde d'ailleurs. Et comme je l'ai toujours dit, c'est après la foire qu'on compte les bouses. Il y a plein de cargos qui sortent de la Méditerranée. Et ben voilà, il a fallu les éviter. Alors ça, c'est pas facile parce qu'il faut, il faut mettre le radar en veille et puis se réveiller si l'alarme radar en attrape un. Et puis arriver à les appeler, leur demander de se dérouter. Là, celui qui passe derrière moi s'est dérouté. Et c'est dérouté environ 5 minutes, 10 minutes. Sinon, on était en pleine route de collision. Pas mal, hein. Le classement du Vendée Globe ce soir, Yves Parlier sur Aquitaine Innovation est toujours en tête de cette course autour du monde à la voile en solitaire. Mais Isabelle Autissier avec son PRB se rapproche, tandis que derrière eux, il y a Hervé Laurent, groupe LG, et Christophe Auguin qui sont pratiquement bord à bord à 100 000 derrière. Le vélo. De mieux en mieux pour Cyril Guimard la saison prochaine. Il y a eu Tony Rominger, il y a maintenant un ancien champion du monde, grand spécialiste des classiques qui viennent signer pour lui, l'italien Maurizio Fondrieste. Christelle Bertrand. Maurizio Fondrieste est la nouvelle recrue de l'équipe Cofidis. L'italien s'est révélé en 87 avec sa victoire dans le Tour du Hainaut. Depuis, la panthère rose du peloton s'est forgé un des plus beaux palmarès du cyclisme, spécialiste des grandes classiques. Fondrieste a commencé sa récolte de titres par la médaille d'or en Coupe du Monde en 91. 93 est son année millésime, il gagne le Milan-San Remo, la Flèche Wallonne et à nouveau la Coupe du Monde. Originaire de Clès, dans le nord de l'Italie, Fondrieste y savoure le fruit de ses victoires. Cofidis mise sur son expérience. À 31 ans, l'Italien signe dans sa sixième équipe professionnelle. Je pense que c'est une bonne équipe avec trois leaders. Des expériences et beaucoup de jeunes. Cyril Guimard a déjà 19 coureurs à sa disposition. Rominger est leader pour les courses à étapes. Fondrieste est là pour gagner les classiques. Il remplace Armstrong. Avec eux, les jeunes sont aussi de bons atouts. L'équipe Cofidis verra officiellement le jour le 1er janvier 1997. Plombé. Gravement plombé, 56 impacts dans le dos pour Franck Duflou. C'est l'un des meilleurs spécialistes de motocross des Flandres. Une histoire incroyable. Franck et un de ses copains s'entraînent sur une plage du Nord le week-end dernier. Ils préparent l'enduro du Touquet qui aura lieu le 16 février prochain. Ils croisent des chasseurs, coup de colère, coup de feu. Ils ont pété les plombs et Franck Duflou en a plein le dos. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Le dos, 14, les bras, 15, la main, le visage, 17. L'inventaire est impressionnant. 56 plombs de chasse parsèment le corps de Franck Duflou. Dimanche, le pilote dunkerquois s'est retrouvé bien involontairement dans la chronique des faits divers, récit d'un entraînement qui a dérapé. Il y avait un pilote juste devant moi et il y avait une bande de chasseurs qui ont commencé à le braquer. Il y en a un qui m'a visé et je me suis retourné et il m'a tiré à peu près à 20-30 mètres de ça. Et bon, bien sûr, j'ai pris une décharge de plomb dans le dos, dans la main, dans la tête. Ça s'est mal terminé quand même. Une gerbe de plomb. Franck Duflou l'a échappé belle. Témoin cet impact retrouvé sur la visière de son casque. La main gauche est aussi légèrement paralysée. Voilà qui compromet sa préparation au prochain enduro du Touquet. Il y a quelques semaines, il s'était classé deuxième à la Ronde Europe de Format 1. Reportage de notre confrère Leroy de France 3 Côte d'Opale. Basketball maintenant, c'est reparti pour l'Euroleague. Ce soir, deuxième journée retour avec entre autres Pau Orthez qui joue à Séville. Hier, peut-être un déclic pour le PSG Racing qui a battu Jérusalem 83 à 62. Donc je résume, déclic pour le PSG, claque pour Antibes. Emmanuel Roux.
claque pour Antibes en Eurocoupe, battu dans sa salle par l'équipe slovène de Maribor. En début de match, les Azuréens sont au bord de la crise de nerfs. Menés de 24 points à la 14e minute, les Antibois s'inclinent finalement 82-70, mais restent premiers de leur poule. Mauvaise journée pour les leaders en proie de volley. Cannes, privé de ses Espagnols, chute dans sa salle face à Montpellier 3-0. Et Poitiers en blanc donne un ulcère à son entraîneur Jean-Michel Roche en s'inclinant 3-2 à Tours. Cannes et Poitiers restent leaders, mais Montpellier 3e à 1 point compte un match en moins. Dixième match sans défaite pour Nantes qui bat Nancy 2-0 en match avancé de la 17e journée de première division. Les Canaries n'étaient pas le tube de l'été, mais ils sont bien partis pour passer l'hiver au chaud. Les buts nantais sont signés Darocha et Endoram. Et Rio de Rechef dans tout le sport. Hier, c'était la folie des supporters de Fluminense. Aujourd'hui, c'est pour saluer un artiste, Leonardo, le numéro 7 du PSG, qui mène d'ailleurs 1-0 actuellement au Parc des Princes face à Lille, un but d'Eli Valdés. Donc Leonardo, maillot numéro 7, 7 buts pour l'instant dans le championnat. L'homme de Rio aime Paris, il aime le foot français et apparemment, il s'est adapté très vite. Portrait Samba avec Ludovic Duchesne. C'est sur les plages de Rio de Janeiro que Leonardo Nascimento de Araújo commence à jouer au football. Comme tous les jeunes de son pays, il veut être footballeur, mais Leonardo, lui, va réaliser son rêve et porter le maillot de la Seleção. Au Brésil, le football est une chose naturelle. Quand je suis né, j'ai entendu parler de l'équipe nationale, de Pelé, de Garrincha. C'est une tradition très forte. Moi, je suis né en 1969 et en 1970, on est devenu champion du monde. C'est dans cet esprit que j'ai grandi et que je suis devenu joueur de football. Champion du monde avec l'équipe du Brésil en 1994, Leonardo devient en début de saison l'attraction du championnat de France. Il signe au Paris Saint-Germain, un club où il se sent bien. Forcément, il y retrouve ses compatriotes, Raí et Ricardo. Le joueur brésilien n'a pas choisi la ville de Paris seulement pour son football. Après avoir joué en Espagne puis au Japon, Leonardo était impatient de découvrir la culture française. Et dès qu'il ne s'entraîne pas, le meneur de jeu du PSG joue les touristes. Il profite des charmes parisiens. Je trouve que la France est un pays de tradition, chargé d'histoire, et j'essaie d'en profiter le plus possible. C'est une grande opportunité pour moi et ma famille. J'apprécie ce côté de la vie française. Leonardo s'est rapidement adapté au football français. 7 buts marqués en 16 journées disputées, le PSG est premier du championnat de France et qualifié pour les quarts de finale de la Coupe des Coupes. Le joueur est en train de réussir son pari et l'homme est vraiment sympa. Ok. Allez. Au revoir.